Fais courir. Depuis que je t'appelle, tu fais comme si tu n'entends pas. Monsieur, vous me voulez quoi? Je vous ai fait quoi? Laissez-moi tranquille. Je t'ai déjà dit que tu cours dans le sac. Tu vas finalement accepter de sortir avec moi. Ce n'est pas un débat. Monsieur, vous n'avez pas honte. Je peux être votre petite soeur ou même votre fille. Ma famille est déjà complète comme ça. Ma mère est déjà ménopausée. Et moi, j'ai une femme qui n'a pas encore l'âge d'accoucher. Une fille comme toi. Monsieur, je ne peux pas sortir avec vous. En plus, même le règlement du lycée l'interdit. Tu crois que qui fixe les règlements là? Tu oublies que je suis censeur. Et je peux te créer les problèmes à tout moment. Monsieur, créez-moi les problèmes et vous allez voir ce que vous cherchez derrière moi. Tu fais la gueule, hein? Tu fais la gueule. Ok. Tu as jusqu'à ce week-end pour me donner ta réponse. Passer ce délai. Les notes de la troisième séquence vont disparaître de la machine. Je me suis fait comprendre. Et voici ma part d'arata chopda que mes ancêtres m'ont donné. Monsieur, quittez devant mes yeux. Vous n'avez pas honte. Je vous respectais. Pourquoi que tu me tentais? Je t'aurais prévenu. Tony, je suis à la rue du laboratoire Mikala. Tu dis que sa maison, c'est quel numéro encore? Envoie-moi ça par WhatsApp, envoie. Je suis arrivée, j'ai garé un peu plus loin. Ok, d'accord. Portail bleu, ok. Là, je suis à côté d'un portail noir. Non, ça va, approche. Je vais trouver. Tu as filmé là, l'entrée du portail. Voilà, envoie-moi, c'est mieux, non? Envoie la photo là. Voilà. Voilà. Seul. Tu vas me dire si ma fille est sa catégorie de camp. Bonjour, madame. C'est bien, monsieur Georges. Oui, c'est bien moi. Je peux vous aider? Donc, on te voit debout comme ça. On croit qu'on a affaire à un homme. Pourtant, c'est quelqu'un qui détourne les enfants des gens. Je ne vous comprends pas. Il y a quoi? Anne Bikai.
de la seconde C, dans le lycée dans lequel vous enseignez. Ah, oui. Elle est d'ailleurs très brave. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je suis Ngobitaï, la mère de Anne. Et elle m'a tout raconté. La prochaine fois que vous allez harceler ma fille sexuellement, je vous assure que ce sera la dernière fois que vous allez harceler l'enfant de quelqu'un. Vous n'avez pas honte? Hein? Écoutez, madame Ngobitaï, je ne vois pas de quoi vous parler. Votre fille vous raconte certainement du gros n'importe quoi. Et vous devez faire erreur sur la personne. Moi, je suis un homme respectable. Un enseignant dévoué dans son travail. Ok. N'est-ce pas dans ton collège, on t'appelle Rambo? Sache donc que moi, on m'appelle Karamba Poutine. Je dis que la prochaine fois que ma fille viendra me dire que tu l'as seulement regardé un peu comme ça là, je ne te demande pas que ce que je suis venu faire devant toi là maintenant, c'est petit. Tu auras peur de me voir en face. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Écoutez, madame, j'ai ma femme ici. Je ne veux pas de problème. S'il vous plaît, allons discuter avec elle. Allons-y avec qui? Où? Je suis ta camarade, ta copine ou bien une connaissance. Donc, tu as une femme, tu as les enfants, mais tu te permets de venir gâter les enfants dans les lycées. Donc, vous pensez que nous, on va venir mettre nos enfants en espérant qu'elles soient en sécurité avec leurs enseignants. Et pourtant, vous pas derrière, vous voulez juste vous amuser. Mon ami, figure-toi que si ma fille tient encore un seul instant, que tu as mis bonjour sans son consentement, je te jure que tu aurais aimé être dans les mains de la police et les miens. Regarde-moi bien, aujourd'hui je suis très calme, mais la prochaine fois, on va te dire que c'est moi qui étais devant toi, tu vas refuser. Fais gaffe à toi, tu ne sais pas qui es-tu. Regarde sa mauvaise tête, les types. Mais on cherche souvent sans trouver, mais le tout aussi, pas ça. J'ai trouvé sans chercher. La merci. Elle n'est pas facile. C'est pas possible ça. Hé, hey, ma chérie. C'est pour moi. Pourquoi tu es triste? Le monsieur là t'a encore dérangé? Non, maman. Il n'y a rien. Mais c'est quoi alors? C'est juste que j'ai la plus forte des mamans. Ah, toi aussi, tu vas me rendre triste là maintenant. Pourquoi tu dis ça? Maman, monsieur Georges m'a complètement lâchée. Même quand il veut passer une nouvelle en classe, il envoie un élève le faire à sa place. En plus, il vient de me croiser. Il a changé de route. Ah, ma chérie, c'est parce que je suis allée le voir. Je lui ai parlé calmement, comme deux adultes bien civilisés. Et Dieu merci, c'est un homme très compréhensif, il a compris. Toi, tu allais lui parler calmement, toi que je connais si. Bien sûr. Est-ce que moi j'ai la force pour aller bagarrer avec un homme? Je lui ai parlé, je lui ai posé les choses sur la table, il a compris. Et rassure-toi, il ne va plus jamais te déranger, encore moins t'envoyer des messages, même par wifi, il ne va pas te trouver. Maman, tu es mon héroïne. Tu es plus forte que Spider-Man, tous ces héros-là. Tu es trop forte, maman. Oh, merci, ma chérie, ça me fait trop plaisir. Et sache que peu importe la situation dans laquelle tu te trouveras dans la vie, ta mère restera toujours ta meilleure amie et tu peux compter sur elle. Hmm? Ok, va te changer, il y a la nourriture dans la cuisine. Ok, maman. Okay.